Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur God of War Ragnarok avec l'épisode, me semble-t-il, 55. Désolé pour cet épisode 54 totalement chaotique, rempli de cinématiques incroyables qui plus est, mais c'est comme ça, je crois avoir réparé le principal problème, en tout cas je l'espère, parce que moi vous me connaissez, la qualité est quelque chose d'essentiel pour moi, et si ça se reproduit, ça risque de me rendre fou, tout simplement. Allez, on continue avec Thor pour retrouver la dernière partie du masque, évidemment. Let's fucking go. À savoir que les méchants aiment bien faire des petits wouh, des petits suspense. Ils se ressemblent. Qu'est-ce que c'est? Mais quelle importance? Se plaindre de ce que tu peux changer, c'est complètement stupide. Ok. Très bien. Très bien. On essaye de se faire ça. Hop, let's go. Cassage de chicot. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Il y avait un petit coffre bien caché, mon petit pote. Attention à toi. Ça me plaît. Invoque un écureuil spectral qui récupère une pierre de guérison. What the fuck? Après ça, j'avoue, je l'ai jamais utilisé, mais ça a l'air fou. Ça a l'air fou. Allez. On va pas faire les rats. On est quand même là pour se faire un petit pleasures. Ok. Peut-être aller voir le côté des compétences. On est tout au max. On est beaucoup trop beau, les amis. On est beaucoup trop beau pour ce jeu vidéo. Allez, c'est parti. Allez, viens, Thor. Oh, le silence. Je marchais en silence. C'était inquiétant. Je croyais presque que j'avais bugué. Hop, ça en prend, merci, au revoir. Bien. Hop, ça en prend, merci, au revoir. Cet homme est mort. Et plutôt deux fois qu'une. Ok. Allez, hop. Ça. Ouh, j'ai eu trop peur. Merci, Thor. Thor, il éclate des bouches de fou. Hein. Thor, il commence à être énervé. Je l'ai pas vu. Hop. Wow. Ok, très bien ça. Allez, c'est parti. Désolé. J'étais en train de voir si le bug était en train de se reproduire ou non. Mais ce qui m'embêterait très loin fort. De l'atelier d'Ivaldi, hein. Moi, c'est loin. Ok. Prairie opaline. Bien. Bon sang, un ancien. Quoi? Tu as plein de... Je me plains pas, j'annonce un problème, c'est différent. Alors ça c'est là, ça c'est comme ça. Marie, tu es content que je sois là pour t'aider cette fois. Ne me remercie pas. Wow! Admets-le, l'épée fait une partie du travail. Tu as de la chance qu'elle t'aide aussi. Bon attendez, là je... L'ancien, frère, Kamel l'ancien, j'arrive pas à lui casser la gueule. Ok. Okay. Oh bien. Ok, très bien. Allez, let's go! Ok. Bien joué, ça.
vache! Ok. Très bien. Alors... Putain, c'est pas vrai. Allez, fort. J'adore. Ah! Il suffit de les pulvériser. Pouf! Pas de problème. Ok. C'était effectivement très rapide, merci Thor, j'ai presque envie de te dire. Ok, le chemin est là. Ouvre-moi ça, bibiche. Par ici, droit devant. Ouvre-moi ça, régale-moi. Alors. Je vais aller ici. Ok. Je crois pas qu'on doive aller par là. Et j'ai dit que je m'amuserais. Oh, mais là, Thor, tu utilises tout pour ta gueule, là. Voilà, laisse en moi un peu, là. Fais croquer, mon ref. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il m'a montré une sorte de petit passage secret. Un secret passage. Oh, trop cool! Merci, Thor! Ça fait plaisir de fou! Ok. Tu leur diras quoi quand tu les reverras? S'il fait trop, tu veux dire. Si le père de tout est satisfait, vous l'avez vu. Peu importe. Écoute, gamin. J'ai pas besoin que tu règles mes problèmes de famille à ma place. Contente-toi de trouver le masque pour plus quitter cet endroit. Ok. Ok. Merci, mon ref. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il commence à m'apprécier, celui-ci. Incroyable. Ok. Bon, bah écoute, c'est superbe. Là-haut. On dirait qu'il y a un passage. Allez, vas-y, mon pote. Oh là, la tutelle. Dégagez le passage. Laissez passer. De liberté. Être ici sans favir constamment sur ton dos. Je... Eh bien... Oui, je crois. Ça change de ce à quoi je suis habitué. Oh bien. Ok. Il faudrait rejoindre le sommet de cette falaise. Pensez. Oh, la tête qu'il a tirée, sa comment mère. Mieux quand je m'y attends. Ok. Il a été choqué, hein. C'est pire que l'ascenseur dans Disney, mon petit pote. Hein. Un champ de brûle. Alors, on est proche. Peut-être. Je vais regarder. Celui-ci, je le laisse. Ok. Trop facile. Ok. Bon, il a pas l'air de vouloir m'aider. À la limite, pourquoi pas. Il m'avait dit qu'il me le laisserait. Oh, putain, c'est pas... Ok. Il l'a fait quand même. C'est plus fort que lui de toute façon. Fort. Thor, c'est plus fort que toi, mon pote. Thor, je... J'espère que tout se passera bien quand tu reverras Sif et Trude. Ouais. Je veux espérer, penser. Ok. C'est déjà ça. Là, ok, y'a rien. Ok. Ok. Allez, ça dégage. Merci, au revoir. Superbe. Allez, next. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est dans ce temple? Oh merde. Oh merde. Ok. Entre ses jambes. Eh ouais, mon pote. Tu l'as pas vu arriver. What the fuck? Je pense que c'est par là et Thor va m'y emmener en me prenant. C'est là. Waouh, waouh, waouh!
Oh, c'est le dernier morceau. Je te tiens. Ouh, c'est pas passé loin. Merci, Thor. Je ne compte pas perdre. Loki, tu as réussi. Nous allons accomplir de grandes choses en mettant nos forces en commun. Il y a pas de quoi. Excuse-moi. Je peux savoir ce que tu fais ici? Son père a tué Heimdall. Forseti peut le prouver. Emmenez-le. Non. Laissez-le tranquille, c'est un ordre. Tu avais promis que le sang des As ne coulerait plus, que les tiens passeraient en premier. Ne crois-tu pas que le temps est venu qu'il paie pour ses crimes? Il a mis ta petite fille en danger. Il a détruit la vie de ton fils. Loki n'a pas tué Heimdall. C'est l'œuvre de son père. Ta fille est assez grande pour faire ses propres erreurs. Et ton époux s'est remis à boire sans que personne l'y force. Laisse-nous! Vous deux, un mot. Ne vois-tu pas ce qui se passe? Il ne nous protège pas. Magni, maudit, nos fils. Nous leur contions des histoires près du feu. Tu t'en rappelles? Nous leur sculptions des chevaux de bois. Nous jouions et nous rions jusqu'au coucher du soleil, quand ils s'endormaient sur nos genoux. Ils ont servi les desseins du père de tout et ont été brisés comme de vulgaires brindilles. Et pourquoi? Et si Trude était la prochaine? Retournez mon père contre moi, ma fille. J'ai aucune idée de ce qui se passe, d'accord? Tu sais, j'ai enfin trouvé quelque chose à t'apprendre. Hé, hey, ça suffit! Jotun. Vu que Sindri est juste... Ouais. Sindri! Oh, tu viens de me sauver la vie. Atreus! Ok, on a content de te voir, une monnaie d'échange. Je me suis enfui à temps maintenant. Mais je ne suis plus le bienvenu à Asgard. Mais qu'est-ce que vous faisiez là? Sindri nous a indiqué où tu arriverais si tu avais des problèmes. Oh, je pensais que vous partiriez explorer sans moi. Non, petit. Ton père était trop inquiet. Toutefois, puisqu'on en parle... Mimir... Mon frère, je t'en prie, tout ce raffut et cette tension chez nous, ça ne te manque pas, nous trois partant à l'aventure? Un retard est l'inévitable. Exactement. C'est pas une si mauvaise idée. J'ai hâte de montrer le masque à tout le monde, mais ça peut attendre. Allez, on se bordit. Ok, retournez chez Sindri quand vous serez prêts. Hé, hey, je suis de retour. Hey, tu as réussi. Je vais chercher Tyr. Installe-toi à table si tu comptes rester. Alors, je vous avais dit que la clé le ramènerait chez nous. Tout ça grâce à un coup de marteau. La magie des nains n'a aucun sens. C'est vrai. Un jour, Lunda m'a fait un plastron à partir d'abois mâche. Tu es rentré. J'ai toujours pas compris comment. Je vais bien. Mais j'espère qu'éveiller cette chose en valait la peine. Tu l'as récupéré? Que t'a-t-il montré? Je ne l'ai pas encore utilisé. Ils ont compris pour Heimdall. Et j'ai dû fuir. Au moins, Odin ne peut pas l'utiliser non plus. Mais... si le masque ne t'a offert aucune réponse, tu n'as fait que dérober le plus précieux des trésors d'Odin, juste après que ton père a tué son plus fidèle allié. Nous ne sommes pas en sécurité, même ici. Alors on n'a pas le choix. Nous devons trouver Surt, sonner le Gjallarhorn et nous charger d'Odin. Et vite. Vous tueriez tous les Asgardiens et parleriez de légitime défense. Propose-t-il parfois des plans ou se contente-t-il de cracher sur ceux des autres ? Le plan évident se trouve sous vos yeux. Nous n'avons pas besoin d'Odin pour l'utiliser. Nous pouvons nous faufiler à Asgard et le faire nous-mêmes sous son nez.
nous saurons ce dont nous avons besoin pour enfin briser cette prophétie de malheur. Si je puis me permettre, nous n'avons aucun moyen de nous rendre à Asgard. Il possède le grand corps, non ? Oh, donc tu voudrais qu'il se faufile à Asgard en soufflant dans un corps qui résonne dans les 9 royaumes ? Je voudrais surtout te coller mon pied dans l'arrière-train. S'il vous plaît, pensez-y. Allez, c'est parti ! Ce masque fait miroiter des réponses faciles. Mais une chose est sûre, la facilité a toujours un prix. Atreus, toi qui l'as porté, qu'en penses-tu ? Je le vois comme un atout. Au pire, il nous servira à appâter Odin. Au mieux, s'il possède les réponses, nous pourrons forger notre propre destin, sans verser de sang. Parfait. Il ne nous reste plus qu'à entrer dans Asgard. Je vous ai freiné dans votre quête. Et vous vous êtes demandé pourquoi vous m'aviez libéré. Moi aussi. Mais j'ai compris. Tout est clair à présent. C'est à moi qu'incombe cette tâche. Une dernière fois, je vais saisir ma lance et... je vais vous conduire à Asgard. Une petite minute! Si tu savais comment entrer à Asgard, comment ça se fait que tu craches le morceau seulement maintenant? C'est une très bonne question, mon frère. Attends, tu nous as caché ça. Tu nous aurais tous fait tuer. Et il fallait laisser le temps à Loki de découvrir son destin. C'est chose faite. Tout mène à ce moment. Si nous réussissons à entrer, je me chargerai d'Odin. Je ne t'arrêterai pas. Nous pouvons faire les deux. Bien dit, mon frère. Si le masque ne nous mène nulle part, il nous restera à Odin à nous mettre sous la dent. Ça me va. Alors allons-y. Et faisons vite. Avant qu'il nous voie venir. Il a horreur des surprises. Pas si vite, espèce de grande asperge. J'aimerais en savoir un peu plus sur ce... nouvel accès à Asgard que t'as déniché. Balance. C'est un vieux passage. On ne peut pas l'atteindre d'ici. Et d'où, alors ? Laissez-moi prendre mes affaires et je vous montrerai. Tu n'as pas d'affaires ! Et où tu vas avec ce masque ? Rock ! Ça appartient au petit ! Il l'a gagné ! Toi, tout ce que tu as fait, c'est de la soupe insipide ! Brock, c'est pas grave. Si, c'est grave ! Y a un truc qui cloche. Dans toute son histoire, y a rien qui tient debout. Et d'abord, pourquoi il t'appelle Loki, par exemple ? Tu sais bien que c'est pas son nom ! Hé hey, je te parle. Oh, que ton chien ne mange jamais. Brock. Tout ça pour ça, Odin. Relâche le garçon et affronte-moi. Dis à ton frère de me donner le masque et c'est d'accord. Reste tué. Freya. S'il meurt... Non, non, ça ne faisait pas partie du plan. Mais s'il meurt, on sera quitte pour Heimdall. Et franchement, ce n'est pas cher payé. Je te tuerai de mes mains, sois-en sûr. Oh, c'était un plaisir de te revoir. Freya, je t'en prie. Tu vas devoir faire un choix, Frigg. Hey, personne ne bouge, d'accord? N'allez rien faire de stupide. J'ai fait des choses stupides. Te tuer n'en fera pas partie. Lâche mon fils! C'est moi qui donne les ordres! Lâche-moi le masque! Allez! Désolé, petit. Cette guerre aura bien lieu. Je t'en supplie, sauve-le. Il le faut. Ne pars pas. Ne pars pas. Peut-être encore en tournant au lac. Laisse tomber. Je sais ce que tu as fait.
et je te pardonne. Mais tu dois arrêter. Tu dois renoncer. Fuck. Je t'aime. Alors, depuis tout ce temps, c'est... Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant. Maintenant, on tue Odin. Et tous ceux qui essaieront de nous arrêter. Tu ne peux pas fuir, Kratos. Odin ne s'arrêtera pas tant que nous ne l'arrêterons pas. Nous avons besoin de toi. Allons-y. Bon, ça risque de swinguer de fou. Waouh, mais ça veut dire il est où, Tyr-wesh? Il est mort? Père. Quoi ce délire? Où est-ce qu'on va? Chez nous. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais on va forcément y croiser genre Thor ou des trucs comme As, non? Ok. Bizarre. Père, est-ce qu'on peut... Je vais les chasser. Je te suis. Nous sommes à tes côtés, Atreus. Oh, j'aime pas comment ça se passe! Que chassons-nous? Le cerf. Où doit-on aller, petit? Là. Où se trouve le cerf? Chasser le chagrin. Oh. Ok. Ok, ok. Chasser avec Atreus. Le cerf, il est là-bas, t'es sûr, Bibiche? Tu es sûr, Bibiche? Bizarre. Vous avez dit bizarre. La zone supérieure de Fauvebois. Ok. Souhaites-tu parler de ce qui s'est passé? J'ai cru entendre du bruit. Par ici. Oh, laisse-lui du temps. Ici, des traces. Elles vont dans cette direction. Ok. Je m'en occupe. Allez, vas-y, fils. Atreus, la violence nous change. Ce n'est pas être faible que sentir ses effets. Nous sentons tous ses effets. On est sur la bonne piste. Il y a des branches brisées par ici. Venez. Cette scène, je la revois. La lame, Rock, le regard de Sindri. Fils. Le voilà. Pauvre cerf, il a l'air tellement adorable.
Coup de levée. La précision avant la vitesse. Attends, si je tire à côté. Ah, je peux pas. Et si je veux tirer à côté ? Ah, on peut pas tirer à côté. Ah, ça va. Ça va. Mais pourquoi ? Maintenant, il s'est enfui. Comme nous l'avons fait. Je ne comprends pas. Lorsqu'un animal est blessé, il doit arrêter le saignement. Sinon, il meurt. Toi et moi avons été blessés. Et ceci n'est qu'une distraction. Tout est ma faute. Non. On devrait chercher Sindri. Je crois savoir où nous pourrons le trouver. Je te suis. Putain, j'ai plus mon épée. Est-ce qu'on peut y aller en traîneau ? J'aimerais réfléchir à ce que je vais lui dire. Bien sûr. Il est temps de faire nos adieux à Brock. Où que j'aille, je vois des rappels de mes erreurs. Nos actes ont des conséquences. En voir des rappels n'est pas une punition. Ça y ressemble. Ok. Allez, passe, mon sauce. Si j'avais seulement... Percer une illusion qui nous a tous trompés. Empêcher une attaque que tu ne pouvais prévoir. Il n'y a pas de si, Atreus. Ton père dit vrai. Il est des choses que même les dieux ne contrôlent pas. Laisse passer papa, mon pote. Ok, bon, vas-y, tu peux passer, finalement. J'ai changé d'avis. Ok. Svana. Speki. Viens. Bah là, pour le coup, c'est venez, ils sont deux, mon ref. Ok. Ah, le fameux portail. Nous prendrons le traîneau dès que tu seras prêt. Bah je suis prêt mon ref. Allez, on y va. Je suis toujours prêt à toute éventualité. Et les amis, je vous le dis, on va s'arrêter là. C'est là-bas qu'on va. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. Et à bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. Direction le temple de Tyr. Bisous tout le monde. Bye bye.